Bienvenue sur l'étape reine du Tour d'Allemagne. 148,9 km entre Freiburg et Schauinsland. Tout d'abord, 126 km assez plat, malgré deux belles petites difficultés après 30 km de course. Bien sûr, cette première partie de course va être animée par l'échappée matinale. 6 coureurs, Huppert, Rassmann, Abraham et Michael Stockmann, Gessner et Arn Van Hook, le grimpeur de la formation Lotto Soudal. Ils ont jusqu'à plus de 7 minutes d'avance sur un peloton emmené par la formation EF Easy Post de Alberto Bettiol, le leader du classement général, la Quick-Step Alpha Vinyl de Mauri Van Sevenant, ou encore la formation Bora Hansgrohe. On va arriver maintenant dans le final montagneux dans les 20 derniers kilomètres de cette étape. À l'avant de la course, à 14 km de l'arrivée, bien Arn Van Hook est tout seul. Il a distancé ses compagnons de l'échappée matinale, mais le grimpeur belge va être pris avant même d'attaquer la montée finale de 11 600 km à 6,5% par un peloton qui a déjà bien maigri. Et à 8 km du sommet, eh bien Adam Yates a attaqué, Ivan Sosa a suivi l'attaque du Britannique, mais le Colombien va être distancé 2 km plus loin par Adam Yates, et Adam Yates va foncer vers une victoire de prestige. Le vainqueur du Tour de Catalogne 2021, du UAE Tour 2020, de la Classicoa 2015 et du Tour de Turquie 2014, eh bien, va s'imposer au sommet. C'est sa 17e victoire chez les professionnels pour Adam Yates. Derrière, on a Pello Bilbao qui va franchir la ligne à 19 secondes, Mauri Van Sevenant, Ruben Guerrero à 28 secondes et Georg Zimmermann. Du côté du classement général, Yates premier sur le pouvoir avec 30 secondes d'avance sur le basque Bilbao, 48 sur Van Sevenant, Skelmose, 49 sur Zimmermann. Ciao tout le monde.